Bijou. Bonjour. Bijou, Ah, bijou. le bijou. Pendant qu'on fait cuire de la coke. Oui, naturellement. Vas-y. Dans le four. Alors je préviens aujourd'hui l'épisode d'aujourd'hui ainsi que les épisodes qui suivent. Je garde le petit. La maman n'est pas à la maison. Oui. Du coup, il est juste à côté de moi. Alors là, il regarde l'écran en mode waouh, il est en train de te regarder épais. Mais c'est possible que vous entendiez des gazouillis, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Essayons de le faire gazouiller, attends. Oh là, voilà, je suis bloqué sur un truc. Le faire gazouiller. Oh, gros classe. Ah, il veut pas. Ah si. Voilà! Il suffit de le regarder, de sourire, et tu sais, il fait un sourire, et puis il fait. Bon! Bah, on reprend tranquillement. Alors, j'ai bien compris que vous commencez à en avoir un peu marre des champs de fleurs. Donc, faisons un petit point sur toutes nos quêtes. On va faire un petit point sur les quêtes. Alors, on a la première de façon, la première page qui de toute façon est verrouillée. Puisqu'on a tout débloqué, il en reste une à faire, puisqu'on a 96%, mais on sera pas, elle n'est pas encore déverrouillée. On a la deuxième page qui a été faite entièrement, si je dis. Elle est à 91%. Ah oui, celle-là, oui. Ah oui, la deuxième, oui. Pourtant, tout est complété, mec. Donc, c'est juste que c'est pas déverrouillé ailleurs, mais tout est complété. Donc, pareil. The World Works. Alors, ça, c'est encore des runes. On va Oh attendre la pour les faire, parce vache. que vous en avez marre un peu de Botania. On a les trucs de bouquins. On peut faire les bouquins? Ah, bah tiens, Witchcraft. Moi, je proposais de partir sur Witchery, justement. Alors, on va passer déjà dans tous les chapitres, comme ça, on va voir. On a What's the World Enable. Ah bah t'as chopé le... Ah t'as fait le titanium ingot, cool. Ouais, je l'ai fait, mais c'est très chiant à faire, hein. Mais par contre, oui, je l'ai fait. Ah, oui, Donc c'est vrai, j'avais ça à faire. ça c'est comment ça s'appelle? C'est un peu un Marie. mélange de tout. C'est mariculture mais il y a aussi du buildcraft. Ouais. Ah, il y avait aussi cette bottle à faire. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. What the World Embrace? Alors, je crois qu'on m'a conseillé... c'est lequel? Tu sais quoi, j'ai envie de partir un peu sur celle-là. Sûr. What the World Embrace. Ah oui. C'est, je sais pas comment ça. Crafting. Ok, c'est le worktable. Apparemment, on peut faire. Ah, on peut faire les barrels. Ça peut servir, hein, les better barrels. C'est tout ce qui est better barrel. On a les coffres qui sont compartimentés. On m'a conseillé de faire celui-ci pour ranger un peu tout. Également, on m'a dit que appuyer d'Energy Stick, ça valait pas trop. Le coup parce que de toute façon c'est coûté extrêmement cher et tout et que tu l'auras qu'à la fin. Enfin, bah t'en auras plus besoin. Oui, bah oui, ça ne m'étonne Donc pas. on fera plutôt sur What the World Embrace. Donc ça on va voir. What the World is Built From. Et ben ça c'est encore les graines. Donc ça on va mettre un petit peu en pause. Il nous manque pas mal de seeds. Les seuls qu'on fera éventuellement c'est les shard seeds ainsi que les... On a des autres. Les ambers. Ouais, les Amber Seed. Alors ça, c'est pour débloquer Tomcraft. Donc on Ouais. verra. Ça, il va nous en falloir de toute façon. Encoding of the World, on pourra voir, c'est les bees, mais je sais que vous n'êtes jamais fan des bees. Ça, c'est encore des graines. On va laisser le Life of the World, on va laisser de côté. D'ailleurs, en parlant de ça, apparemment, je me suis planté. Certains me l'ont dit pour faire, je sais plus quelle graine. On va les voir. Le problème, c'est la terre en dessous qui n'est pas bonne. Celle-ci, je crois. La terre est pas bonne. On a du bois. C'est bon, Blackberry, c'est bon. Melon. C'est le mélange entre melon et sugarcane, je crois. Tu peux en faire du bois si tu veux. Bon, en attendant, on va laisser les graines de. Ouais, bah ouais. Regarde, on a un bel arbre. Ah oui. On va laisser ces graines de côté. Hop. How the World Change. Voilà, moi c'est ça que je voulais faire, c'est Witchery. Je vais essayer de le faire. Et la dernière quête, la 11, de toute façon, on n'a rien qui est débloqué. J'ai envie de partir sur Witchery aujourd'hui. Pour ça, on doit avoir un bouquin Witchery. On va essayer de trouver. Ah oui, ils sont pas chiants du tout, les mecs. Ah oui, Ah, pas mais du tout. pour Witchery, il me fallait pas un truc, tu sais, impossible à obtenir là. C'est possible. Il fallait que je tue des creepers, je me souviens plus. Ah oui, pour avoir des têtes, je crois. Non, des cœurs de creeper, je crois. Oh, des cœurs de creepers. Alors attends, on va regarder. D'une part, il y a le Witcher Book. Donc, What the World Teach, c'est. Witchcraft Collection Fume. Ça doit être celle-là, hein. Ouais, ça doit être ça. Oui. Hop. Witch. Witch.
Minecraft collection fume. Alors, Belladonna, Phaser, Floral, Charcoal. Ça, on a. On peut crafter. Et oui. Il est content. Ah bah oui, il est content. Belladonna, c'est où? Belladonna, ça, il me faut du charcoal ou du colle. Je pense que ça doit marcher avec du colle. Un de colle. Attends, j'ai rangé ce truc-là. On va le garder. Hop. Normalement, ça c'est du. Ouais, ça doit être ça. T'as des livres quelque part? Oui, il y en a là. Y a des books un peu partout. Ah oui, on m'a conseillé de foutre des hoppers sous le champ de poulet. C'est pas bête. C'est pas con. Après, bon. Est-ce absolument nécessaire? Je me demande. On a plein d'œufs, c'est cool. Alors, le craft. Le bouquin de witchery. Hop, apparemment c'était ça, je crois. Non. Non, ça se fait avec du charcoal. Ok, très bien. Oh bah ça va. Il faut vraiment du charcoal, c'est pas une blague. Aurais-tu un morceau de bois, mon cher épée? J'ai que des bûches. Bah parfait, une bûche pour faire un charcoal. Ah mais non. Non, c'est des planches, c'est pas des bûches. C'est des bûches. Bah les Ah, y a... Deadwood. C'est bon, je vais pouvoir faire cuire du haut trône, je sais pas trop quoi. Ok, très bien. Ah oui, c'est le truc qui fait popper des arbres. Ouais, les arbres un peu chelous. Oui, on m'a conseillé également pour les essences d'essayer de les améliorer en 10-10. Ouais. Il y aurait une technique pour ça, d'ailleurs, je vais peut-être en profiter, on va la faire maintenant. Il faut juste que j'en analyse quelques-unes parce qu'on va vraiment en avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup. Donc on va essayer de les pousser en 10-10. Voilà! Witchcraft Collection, ça c'est fait. On peut claim la reward et on aura des clés jars. Et Witch's Brews, on va faire celle-là aussi. Est-ce qu'il y a ça? Witches. S'il y a ça, on est sauvé. Ou pas. Ok, très bien. What the pig? Hop, il me faut encore une blague florale et de la terre. Ah mais y a de la terre ici. Ouais, ça pourrait être fun, ça. Je pourrais foutre ça où, moi? Pom-pom-pom-pom. On fait des bouquins aujourd'hui, on fait le bibliothécaire. Ça change. Voilà, j'ai mes deux livres, donc on peut claim celle-là, et comme celle-là elle est complétée à 52% et on peut pas aller plus loin. On a chopé du mutant 10, on va le planter, je pense que ça sert sur Witchery du mutant 10. Bah oui. Il parle tout seul. Commence à s'exprimer. Alors, Witch Collecting Fumes. Oui, on a de l'eau à l'infini. Alors, on peut récolter les vapeurs qui sont produites quand on cuit. Ah, très bien. Bon bah si tu veux de l'eau, on a un tank 400 000. On attend 400 000. Donc c'est ça en fait. Tu vois le four qu'on a ici, le Witch Oven, à chaque fois ça fait cuire comme un four normal. Ouais. Mais en même temps, on récupère des fumes dans les clés jars. D'accord. Donc ce qui peut être pratique. Tu fais cuire, par exemple, si tu fais cuire de la nourriture, on a des full fumes. Et Ok. on a des sapling fumes aussi. Ok. Ok, bon ça c'est plutôt simple. On va reposer le livre, on s'en était déjà servi. Bon, ça va, c'est pas trop Ok, donc compliqué. ça c'est pour faire du brewing. On a plein de trucs. C'est début, je suis une slabie coffre. Ouais, Mutating Spring, ok. Donc ça c'est le chaudron. Je pense qu'on va le voir, de toute façon, le chaudron. On va aller regarder. Ah bah tiens, t'as fait quoi? T'as fait le Water Tank Siding? Ouais, Yes. je suis en train d'essayer un petit peu de compléter ça, c'est vraiment des quêtes mineures donc. Ouais, puis non, mais ça nous permet d'éventuellement débloquer du stockage, donc c'est pas mal. How the world change. Voilà, on va pouvoir faire bubble, bubble, bubble. Il faut qu'on fasse
Anointing Past. Et on l'avait dans le bouquin, ça, je crois. Anointing Past, je l'ai vu dans Boring. Non, c'est pas ça. Better Barrel. Crafting Bench. Ok. Mandrake Seed, Belladonna Seed. Non. Ouais, ça marche bien. Normal using an. Ok, il faut Belladonna, Mandrake, Water, Artichoke et Snowbell. Heureusement, je les ai déjà toutes, donc c'est cool. Belladonna, on a. Il me faut des Mandrake Seed. On doit les avoir là-bas. Ah, c'est ici que c'est ces deux croisements qui fait que ça va pas, je crois. C'est pas la bonne terre. Si je dis pas de bêtises, c'est pas grave. Water Artichoke, on a. Mandrake, on a. Et c'était quoi le dernier? Ping. Des Snowbell. Bon, Snowbell, on en a plein. Ici, on va les mettre ici. Bonk. Pourquoi ça me dit bonk? Je mange aussi, mais la pomme, ça nourrit pas. Ouais, si tu veux. Hop. Boule de neige. Ok, donc c'était ça, ça. Ouais. Ça, voilà. Anointing Past. Apparemment, on le met dans un chaudron normal. On a dû faire quelque part. Ouais, dans le coffre. Voilà, hop. Ne pique pas tout. On le met dans un chaudron normal. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit plein d'eau ou pas? Je crois pas qu'il précisait. Is made by placing on the world and using anointing past. Ok. Écoute, je vais mettre le. Je pense qu'on va décl... Je vais déplacer. Voilà, on va déplacer Witchery. Je vais le mettre ailleurs pour avoir plus de place. On On fait ça. pourra faire nos petites recettes au calme. On va le mettre un peu plus loin. Ah oui, il y a tous les villageois là-bas. Tiens, on va le mettre ici, là. C'est bien dark et tout. Je kiffe. Alors, le Witch Oven. On va se mettre notre petit coffre. On stocke tout dedans. La merde. Hop, ça on peut laisser là. On va placer notre chaudron. C'est la merde au village. Nice! Ça l'a transformé, c'est cool. Donc ça a dû valider la quête, yes. Witch Chaudron, faut que je le récupère. Merci. Voilà, reward. On peut le claim. Ah, ben on a eu toutes les saplings. On a déjà vu, on avait déjà vu ces saplings. Rowan, Alder. Parce que je l'avais utilisé justement pour d'autres quêtes. Donc on va quand même le placer dans le coffre à saplings. Quoique, logiquement, tous les witcheries, je devrais les prendre à part. Witch, witch. Witchery, witchery. Oh, j'ai eu un Rowan Berry, ça on l'avait pas. Iron. Oh, ça pourrait le faire, tiens. Ah, c'est du Botania. Ok, quelle va être la quête suivante? Évidemment, j'ai tout foutu là-bas. Wait, it might be worth retaining a sample of them in case they come in handy in the future. Bah, t'es Ok, sûr. faut qu'on utilise du Mutandus. Oh, ça va. On va utiliser du Mutandis, on en a plein. Faut qu'on chope. Et on utilise sur quoi le Mutandis? Pour de la terre de base? Oui, de la simple bouse. On peut, oh, on peut produire des Mutandis, hein. C'est assez simple. Sur de la bouse de base, on n'a pas de la bouse de base, faut que j'aille chercher de la... je vais miner de la terre. Il me faut ça et ça. Ok. On a ça. Attends, t'as... Faut ça, T'as cassé tout l'arbre là? Non. il me faut celle-là, et il me faut celle-là. Et celle-là, je l'ai déjà. Ah, il est bavard aujourd'hui. Ah bah non, je l'avais pas. Hop. Nadakobul. Ouais, bah tu peux le faire avec Ah les bah oui, c'est essences, vrai. hein. C'était Fire et Earth. Non, Earth et. Je sais plus. C'est
C'est Dirt. Dirt et... Enfin, ouais, Dirt et c'est ça, Fire. Dirt et Fire, je crois. Ouais. Semble bien. Hop. Alors, on va jeter tout ça là-dedans, parce qu'on a... on va aller chercher de la terre pour le mutant 10, on va voir si ça s'applique là-dessus. Oui, à fait. Ceci dit, ils doivent le dire dans... Bon, le Lexica Botania... On va le mettre de côté. Là-dedans. Ah oui, je voulais faire les histoires des graines, on va le faire juste après. Lexica Botania... Boum. D'accord, une fausse. What? Ok. En fait, si, je pourrais le faire maintenant. En gros, ça doit être une des extrémités du champ. Il faut que je l'analyse. Que je regarde, c'est une combien celle-là? Enfin, c'est une 4-3-3, elle est pas ouf. En gros, la solution. On va en analyser quelques-unes, on va prendre la meilleure. Ouais, 2-3-3. 2-4-4. Celle-là, c'est une 8. 3-3-4. La 4-3-3. On va laisser de côté pour l'instant. Ah, 3-4-4. Elle est mieux. Elle est nulle. Faire ici, on n'a rien là. 3-2-4. 1-4-3. Ok, l'idée. On va prendre les. Je vais vous montrer. On va prendre tous les crops. Oui. On va tout casser. Ah, il casse tout. Ouais, casse tout le champ. Alors, toutes les graines que tu récupères, oh, je vais pas les analyser parce que ça va être trop long. On les place dans le... Dans le machin là. Le compost bin. Et il faut mettre du double crop partout, sous tout le champ. Tu veux faire les croisements en 10 là ou... Faire au petit. Non, en gros, on va mettre à une extrémité, on va mettre la 3, 4, 4, 4. Les autres se stackent donc elle doit être moins bien. Une 3, 4, 4, et en gros, elle va évoluer. Donc je vais la mettre d'un côté à une extrémité, et après, j'irai récupérer la graine à l'autre extrémité. Je l'analyserai, et normalement, ça devrait être une proche de 10-10. Et si ça l'est, ben, on revire tout le champ, on la plante, et comme ça fait que étendre du 10-10 si tu veux. Et comme ça, on aura vraiment quasiment que du 10-10-10. Et ça poussera beaucoup plus vite. Ça m'a été conseillé, je pense que c'est une bonne idée parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'essence. Bon, par contre, faut mettre du double croc partout. Ouais, ça consomme du bois. On en a plus là. Hop. Hop. On va faire couler ça, tiens. Du-du-du-du. Alors, attends, du bois, j'en avais un peu ici. Plein de bois. Je vais pas ranger le bois quelque part? Voilà. Il y a plein de sticks dans un coffre. Bon, par contre, toi, Ah tu ouais mais vires. attends j'en ai plein encore deux, j'avais pas vu. Trois stacks. Alors, Hop. du coup, il faut que je fasse ça en gold. Bon voilà, ça je le fais juste à part, on va rester sur Witchery après, mais j'y pense maintenant et comme c'est assez long, assez tendre. Les champs. Bon après c'est les essences donc elles sont plutôt rapides. Et moi, j'attends que l'or coule. Parce que c'est cool. Lol. Oh. Alors, faisons couler ça. Donc, on va mettre ça là, à la 4-3-3. Voilà. Donc, je l'ai mis d'un côté. Et c'est l'autre côté qu'il faudra qu'on récupère. Donc, celui qui est le plus proche des fours là-bas. Et en attendant. Voilà, on farm masse compost. Ah oui, j'ai encore 8 essence seed. What the fuck. Hop, et puis ça. Alors, par contre, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? C'est assez solide, pas ça. Il n'y aurait pas assez. Wow! Le water tank! Ouais, j'ai mis sur les piliers, c'est beau. Je trouve ça Il est classe. gros. C'est vrai que c'est classe. Alors, donc, retournons. Il me fallait de la terre pour le mutant 10. Et moi, il me fallait du fer. C'est vrai que c'était bien ça. Je crois qu'il y avait de la terre par ici. Bingo. 16. 8 et 8, 16, 2, Je sais pas 3, ça, 2, on ira 3. checker. Ah oui, non, je disais que c'était peut-être dans le bouquin.
Non, c'est Collecting Fumes, ça. C'est pas celui-là, c'est pas le bon bouquin. Faut que je regarde dans l'autre bouquin. Ils diront peut-être, c'est peut-être écrit dessus. On va quand même récolter de la terre, ça peut toujours être pratique. Ouais. Je peux te dire un truc, je sais plus. Bon, bah, c'est pas grave. 32. Ah oui, il y en a qui ont demandé pour Agricraft avec les fameuses plantes de faire la MK4. Donc l'armure la plus pétée d'Agricraft, sauf qu'il faut des extrêmes essence strong. Ah, et C'est ouais, et pas les maintenant. essences, on les garde pour les graines parce que c'est très, 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 très relou. Même si c'est l'armure qui te permet de voler et Ah, de ah oui, non, nager on dans va la pas les lave. garder. D'accord, non, non, on la fera. Ouais, mais quand tu regarderas le craft, tu... Voilà. Magical Crops. Quand même Ok, vérifier le craft, mais... crafting. Je sais pas, non, c'est les brews. Allez, on va faire notre petit champ pour les mutants 10, on va voir si ça fonctionne ou pas. Faire ici. Ah, après, je sais pas si elle est... Elle existe là-dedans. Attends, je vais voir via les extrêmes. Après, il a pu la désactiver là. Et je crois qu'il a Non, désactivé ça l'armure. marche pas. Comment on applique la mutant 10? Sur des plantes déjà, peut-être? Sur de l'herbe? Doit être ça, hein. On va prendre du bone meal, on va essayer. Oui, il y a plein d'œufs. Intin skeleton. Oui. Pour les Salut l'âge. 9-9. Voir si ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a le mode là, tiens? Bon, en tout cas, il n'y a pas l'armure de Magical Crops. Elle est désactivée. Donc, c'est raté. Ouais, c'est ça, il faut mutandiser le truc. Ah, mais ça donne que des. Ça donne que des trucs standards en fait. Suis pas convaincu. C'était pas écrit dans le bouquin. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je savais pas qu'il y avait ça. Ah oui, non, mais ça attendra. Ça fait chier, mec. Générator. Il y a quoi comme Bon, bah, générateur? je vais regarder comment obtenir ces fleurs, les gars. On va faire une petite ellipse. Ouais. Et c'est lesquelles déjà? Ouais. Using mutant 10. Glint, Amber Moss et Spanish Moss. Attends, peut-être qu'ils me le disent là. Ici, Glint. Intweed. Non, il précise pas. On va regarder comment on va obtenir, on se retrouve tout de suite. Ouais. Il faut utiliser de la mutandis sur une autre plante. Donc on va planter des plantes. Pas du genre ça. N'importe lesquelles. Alors, bien sur une plante. Là, sur l'herbe, on obtenait une autre. Mais là, si j'utilise du mutandis sur une autre plante, ça devrait peut-être marcher. Ouais, comme c'est beau. Ouais, le problème, c'est que c'est bien gentil, mais j'obtiens rien de Witchery. Hein. C'est bien du Mutandis que j'ai vu. Ah! Enfin un sapling de Witchery, mais on s'en fout, il sert à rien. Ça, on en a déjà. C'est quoi que tu dois avoir? Des plantes cheloues, et ce qui m'inquiète, c'est que là, pour l'instant, on doit en avoir 3, il n'y en a aucune qui est sortie. Ah, Amber Moss. Attends, est-ce qu'on doit pas choper de l'Amber Moss? Oui! Oui, ouais. Comment ça se harvest? Peut-être avec une tire. What the fuck? Putain, c'est quoi cette arnaque? Amber... Comment elle s'appelait? Amber Moss. Ouais, avec une chire. Bah, on va faire une chire, mais j'ai plus voulu Mutandis. Il y a trop de plantes, mec. Ah, il y a quasiment toutes les plantes qu'il faut. Ouais, j'ai plus de Mutandis, c'est cool, je suis content.
Ouais, mais à chaque fois on obtient des trucs. C'est un peu con cette quête. Ah! Oui, il faut une cheers. Alors, je vais faire une cheers. Je suppose qu'on a plus de bonnes mines. Tu peux en faire avec les. Ah oui. Oh, ça a marché. Bon, attends, il me refaut du mutant 10, hein. C'est pas fini. On en a plus. Bonne mine, ça fait des œufs. Alors, mutant 10, comment on fait du mutant 10 déjà? Mutant Ah bah oui, avec les 10. squelettes. Oh, il faut des mandrakes croûtes. Wood ash, on a. Le problème, c'est les mandrakes. Il va falloir que je fasse des champs de mandrakes. On va essayer de faire un champ de mandrake là-bas. Ça servira. Oh, pas trop le choix, je pense. On a. Non, on n'a pas de mandrake route. Ok, bah let's go. Il y a de l'eau en dessous. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça suffira pas. On va prendre un seau. Hop. Moi je veux un arme. Voilà, je l'ai coupé. J'attends que ça pousse. On va mettre un peu d'eau ici, un peu d'eau ici, c'est parfait. T'as pas un arbre qui donne beaucoup de pousses d'arbres? Enfin, pas de pousses T'as d'arbres, mais pas. de troncs. Il faudrait tu sais, les doubles. Ah ouais. Les doubles arbres, ça fonctionnerait. Alors, on va planter plein de mandrake seed. On en a en bas et on va les faire s'étendre. Pendant ce temps, ici, ça s'étend tranquillement. Hop. Comme ça, on aura un champ de mandrake. Je pense que ça va être Les nécessaire. one sampling, ça marche, de Witchery? De quoi? Les one sampling? Il me faut du glint et Spanish. Oui, non, mais Ah moi non, pour pour faire faire du du 4-4. 4-4. Tu le poses, c'est écrit, tu sais, avec bidule truc. Ouais. M'a compris. Ouais. C'est pas avec ça en tout cas. Ok. Voilà, on a la mandrake. Elle est où? Oui. Oui, il y a plein de bois. Je l'ai tué, je sais pas. Voilà, elle est morte là. Ah, c'est le truc qui court de partout, Ouais, c'est relou. Tout ce que je voulais, c'était des mandrakes seed. Bon, ces graines-là, on verra plus tard, les gars. Comme je l'ai dit. On va en planter une, on va attendre qu'elles s'étendent. Maintenant, on connaît comment ça fonctionne. En planter une au milieu, ça s'étendra mieux. Voilà. voulais pas faire un autre truc, moi je sais plus, moi. Perturber les gens. Je suis perturbé. Ah bah oui, c'était ça. Et je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça y est, elle commence déjà à s'étendre. Ah déjà? Ça passe On vite, les hein. boostait. Et ouais. Ah oui, ça me donne une mandrake à chaque fois, t'es sérieux? Et cours, Homsterix, cours. Ah ouais, ça redonne des mandrake seeds. Ok, très bien. Moi je prends, écoutez. Oh putain, par contre ça donne nausée, tu sais, c'est le truc horrible quoi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok, comme ça on a des mandrakes root et pour faire du mutant 10. Putain, il faut vraiment du floral gris. Oh, ça coûte la peau du cul. Y a pas une autre façon de faire? Si. Ok, dans le caudron, ou dans le chaudron, c'est beaucoup mieux. Eggs, Exile of the Horned. Il nous faut des saplings. Faut que. Des oak saplings. Alors, plante du oak, hein. Il me faut masse oak saplings. Ah bah Le tant reste, on mieux. s'en fout. Il y en a 26. Bon, on va planter ça en masse, ça on peut casser. Et bon, on va farmer un petit peu le bois, comme ça on sera prêt pour le prochain épisode. Ouais. Et on se retrouve au prochain épisode pour continuer Witchery, moi de mon côté. Et pendant que Épée fait les petits barrels. Ouais, ils sont très chiants Ça d'ailleurs. permet d'avoir deux points de vue différents comme ça. Allez, à la prochaine, ciao les gars! Ciao.